Pour avoir la chance de gagner 50€ PSN, il faudra tout simplement cliquer sur le lien de la vidéo qui sera en description. Lâchez votre petit pouce bleu, être abonné à leur chaîne ainsi qu'à la mienne, c'est super important. Lâchez un petit trax dans l'espace des commentaires. Le tirage au sort se fera d'ici une semaine sur leur chaîne en live, alors restez actifs. Bonne chance à tous. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les 5 secrets et astuces que tout le monde ignore sur Black Ops 3. Donc on va pas se le cacher, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont connaître quelques astuces ou quelques secrets. En tout cas j'attends de vous justement qu'à la fin de la vidéo vous me fassiez un classement sur 5. Donc sur les 5 astuces que je vais vous présenter juste après, ceux que vous connaissez déjà et ceux que vous ne connaissiez pas. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aidera pour certaines choses. Et puis je vous fixe un objectif de 2000 likes si vous voulez un épisode 2. Et ensuite on se fixera toujours des objectifs pour faire plusieurs épisodes. En tout cas si vous kiffez le premier épisode, ben vous me bombardez cette barre de likes, ça vous prend 3 secondes, c'est la récompense. Et moi ça me ferait plaisir et ça m'encouragera fortement à vous sortir un deuxième épisode. Petite parenthèse aussi, j'étais accompagné d'une personne pour toutes les mises en scène. Alors je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour. Il a plus de 2000 abonnés et propose des streams réguliers sur Black Ops 3 et de la bonne qualité sur sa chaîne. Alors je compte vraiment sur vous pour aller vous abonner à sa chaîne. Et sans plus attendre on va commencer avec la première astuce. Savez-vous que l'onde thermique, donc le heat wave, peut détruire des Semtex lorsque vous êtes collé? Regardez justement, vous avez un exemple juste ici en dessous. Le mec justement Simzo va me lancer une Semtex. Je vais utiliser mon onde thermique et puis elle va disparaître. Et j'ai réussi à survivre. Ça marche aussi par exemple avec les hives. Donc quand vous êtes près des hives et vous entendez justement les petites bébêtes arriver sur votre corps, vous mettez votre onde thermique et là vous allez détruire justement les hives et vous allez survivre. Et j'ai essayé moi-même, l'onde thermique peut détruire un missile Hellstorm. Deuxième astuce, vous la connaissez sûrement, mais savez-vous qu'avec votre arme vous pouvez détruire un missile Hellstorm? Alors moi pour ma part je l'ai appris sur Black Ops 2, donc ça remonte à il y a 3 ans. Mais des fois je suis en ligne avec mes potes et je dis tout simplement tirer sur le missile Hellstorm. Et les mecs, j'ai l'impression ils viennent de découvrir Call of, ils ne le savaient pas qu'on pouvait détruire un missile Hellstorm avec une arme. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le détruire aussi avec l'onde thermique et les points de choc. Troisième secret, et je pense que c'est plus un easter egg, l'horloge dans la maison de Combine nous indique la véritable heure. Donc s'il est 11h20 pendant que vous jouez, vous allez justement voir que sur cette horloge l'heure est à 11h20. Alors si vous avez un rendez-vous chez le dentiste et que vous n'avez pas votre téléphone à côté de vous pour surveiller l'heure, ou alors que vous avez la flemme parce que vous êtes en série de regarder justement dans le menu de la PlayStation l'heure, et bien vous regardez justement sur cette horloge et ça va vous montrer l'heure. D'ailleurs en parlant d'horloge, il est l'heure de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car mon objectif est d'atteindre les 50 000 abonnés avant la fin des vacances. Alors je compte vraiment sur vous, explosez moi cette barre d'abonnement et cette barre de like, ça me ferait super plaisir. Bon je pense que je viens de perdre la moitié des personnes qui regardaient ma vidéo à cause de ça, mais c'est pas grave. Alors le quatrième, c'est même pas un secret ni une astuce, c'est un truc que je viens de découvrir il y a 2 jours et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai eu l'idée de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. C'est par rapport au score streak, parce que oui quand je suis avec mes potes, quand ils sont en série, par exemple on joue drone brouillage Ether, il y en a souvent qui me sortent, je suis à 100 points de quelque chose mais je sais pas ce que c'est. Et donc hier j'étais en partie avec des potes, je lâche ça, il y en a un qui me dit mais Trax t'es complètement con, à côté de ta barre de série de points, donc vous voyez il y a une jauge pour voir vous êtes à combien de points du streak que vous allez débloquer, il y a une petite ligne en face du score streak et je vais vous mettre maintenant un screen à l'écran pour que vous voyez un petit peu mieux où je vais en venir. Et justement cette ligne correspond au prochain score streak que vous allez débloquer. Moi personnellement j'ai jamais remarqué, je me suis senti un petit peu con. En tout cas je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont pas remarqué et j'espère que ça vous aidera. Pour le dernier, je sais pas ce que ça fout là, mais rendez-vous sur la map Evac dans le spawn A si je ne me trompe pas. Au fond de la map il y a 2 cadavres et je pense même que c'est des zombies. Alors il y en a un qui est assis en dehors du spawn et il y en a un qui est carrément dans la maison. Quand vous spawnez c'est à votre gauche dans le coin à côté dans l'ampadaire. Le mec qui est assis dans l'ombre et on dirait vraiment un zombie. Alors je sais pas si c'est un easter egg ou si c'est fait exprès. En tout cas dites-moi vos ressentis dans l'espace des commentaires et vos ressentis comme je vous l'ai dit sur cette vidéo. J'espère que ces 5 secrets et astuces vous ont aidé. J'espère aussi que vous voyez un petit peu plus clair sur le jeu. Et n'hésitez vraiment pas à me dire vos ressentis comme je vous ai dit au début de la vidéo, s'il y a certains trucs que vous connaissiez déjà et certaines choses que vous ne connaissiez pas. Donc je le rappelle, 2000 likes et je vous sors un épisode 2. Sur ce c'était Trax et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Faut que j'avance, surtout je ne me retournerai pas. J'ai un tour d'avance, les jaloux je les calcule pas. Ça fait le bonhomme.